tous déjà rêvé d'avoir notre propre cachette secrète en plein milieu d'un endroit public sans que personne puisse nous voir? Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de réaliser ce rêve et de construire une pièce secrète en public dans laquelle je pourrais dormir, manger, jouer aux jeux vidéo et tout ça dans un endroit public mais sans que personne puisse me voir. La première étape sera de construire une pièce secrète qui sera assez grande pour que je puisse me cacher à l'intérieur et assez légère pour que je puisse la déplacer. La première idée qui m'est venue en tête était d'utiliser une poubelle comme pièce secrète. Voici mes poubelles. Et comme vous savez, dans les endroits publics, on retrouve beaucoup de poubelles. Alors ça pourrait être une très bonne idée de pièce secrète. On va aller essayer ça tout de suite. Je vais essayer de me cacher à l'intérieur. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Je pense que je vais commencer par enlever les déchets. Ok, on réessaye. Oh, c'est plutôt pas mal. Hop, je suis caché. Le seul problème, c'est que c'est un peu trop petit, car je vous rappelle que la pièce secrète doit être assez grande pour que je puisse vivre à l'intérieur. Disons que de vivre dans une poubelle, c'est un peu trop petit, et disons que ça n'a pas un très très bon parfum. La deuxième idée que j'ai eue était d'utiliser une grosse boîte de carton et de la camoufler ensuite avec du gazon et des feuilles. J'ai ici une boîte de carton plutôt grande. Regardez ça. Pour vrai, ça pourrait être une très bonne pièce secrète. Par contre, le problème, c'est que c'est du carton. On doit donc tester si elle résistera sous la pluie. Je suis à l'extérieur et on a ici la boîte en carton. Et juste ici, on a un simulateur de pluie. Alors, on va tester ça tout de suite. Ouais, c'est vraiment pas scellé du carton. Allez, je me prépare. Ok, allez, active la pluie. Ça arrive. Oh, on est. Oh là 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 là. Ah, ah. Oh là là. Ah. Oh my god, il y a déjà de l'eau qui est rentrée. Oh wow, regardez ça. Il y a plein d'eau qui coule. Oh là là. Oh, j'ai tous les fesses mouillées. Regardez ça, il y a de l'eau partout. J'ai les fesses tout mouillées. Bon, ouais, le carton malheureusement ne peut pas résister à la pluie. Regardez ça à l'intérieur, comment il y a beaucoup d'eau qui est rentrée. La poubelle est trop petite et le carton lui est beaucoup trop risqué, puisque s'il pleut, eh ben ma pièce secrète sera complètement fichue. La dernière solution était de construire moi-même la pièce secrète. Voici mon nouveau plan. Je vais construire une boîte avec des planches de bois. Et pour rendre cette boîte discrète, je vais la recouvrir de toutes sortes de choses qu'on retrouve dans les lieux publics pour qu'elle passe inaperçue. Puisque je suis très nul en construction, j'ai alors fait appel à un professionnel. Oui, est-ce que ça serait possible de construire une boîte en bois? Ouais, en fait, c'est pour une pièce secrète. J'ai trouvé quelqu'un qui pourra me construire ma boîte et me la livrer demain matin. Alors on se retrouve quand j'ai la boîte. Nous revoilà le lendemain et devinez ce que j'ai reçu? La boîte! Alors comme vous savez, je vais utiliser cette boîte pour ma pièce secrète. Elle est littéralement énorme, regardez ça! Oh wow, non mais c'est trop stylé! Et c'est super grand! Et en vrai, on est trop bien! Regardez ça! Allô? Bonjour! Maintenant, le prochain défi sera de trouver une façon de camoufler cette énorme boîte pour qu'elle passe inaperçue en public. J'ai ici des genres de tapis en faux buisson que je vais utiliser pour recouvrir la boîte. Voilà, comme ça. Et comme ça, elle va passer inaperçue en public. Regardez ça! Imaginez lorsque je vais l'avoir tout recouvert. On va vraiment avoir l'impression que c'est un buisson. Mais c'est une pièce secrète. Ça va être très solide. Je viens de finir deux côtés de la boîte et regardez pour l'instant le résultat. Non mais ça m'a pris 2 heures juste faire deux côtés. Et j'ai aussi complété la porte. Et finalement la porte, je vais l'utiliser comme trappe. Voilà, comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Oh oui, regardez ça. Je suis un buisson. Bref, on se retrouve pour le résultat final. J'ai alors passé le reste de la journée à fixer le feuillage sur la pièce secrète. Après avoir passé la journée à travailler sur la boîte, voici le résultat final. Non mais je suis vraiment fier. Regardez ça, on dirait vraiment un vrai buisson. J'ai rentré la pièce secrète dans mon garage et je vais vous montrer. Alors, à l'intérieur, j'ai rajouté du tapis pour que ça soit beaucoup plus confortable. Alors voilà, il y a du tapis sur le plafond, sur les murs et sur le sol. La prochaine étape sera de transformer l'intérieur de façon complètement épique. Parce que comme vous savez, c'est une pièce secrète de rêve. Alors c'est parti pour le magasinage. Je viens tout juste d'arriver dans les magasins et maintenant je vais acheter tout ce que j'aurai de besoin pour la pièce secrète. Alors premièrement, je vais avoir besoin de lumière. Allez, voilà. Allez, super! J'aurai aussi besoin d'une oreiller et d'une couverture pour dormir. Je vais aussi prendre une doudou pour me réchauffer s'il fait froid. Ah oui, parce que des fois ici au Canada, il fait très très froid. Non mais regardez ça, il y a des couvertures Minecraft. Je vais prendre ça, ça va être beaucoup mieux. Maintenant, ma partie préférée, les bonbons.
Oh oui, regardez ça, c'est mes Ridley's préférés. Ah, ça c'est trop trop bon. Je vais aussi acheter des chips, parce que bah c'est trop bon les chips. Je vais prendre de l'orange crush parce que bah j'adore l'orange crush. Alors maintenant je vais acheter une télévision assez petite pour qu'elle puisse rentrer dans ma pièce secrète. Il y a une télévision mais je pense que c'est beaucoup trop gros pour la pièce secrète. Ouais, même ça ici, c'est vraiment trop gros. Alors ici, j'ai trouvé la télévision la plus petite du magasin, donc ça va être parfait pour la pièce secrète. Super! Maintenant, il ne reste plus qu'à acheter la PS5. Après avoir acheté tout ce que j'avais besoin, c'était maintenant l'heure de retourner à la maison pour finir la pièce secrète. Je viens tout juste de revenir du magasinage et regardez ça, c'est un pur désordre. Bon, allez, on va commencer par mettre les lumières à l'intérieur. Regardez ça, c'est des petites lumières qu'on peut allumer. Alors, je vais en coller partout sur le plafond. Une comme ça, voilà. Voilà. Eh non, mais ça va être trop stylé. Et voilà, la dernière lumière. Hop! Hey, c'est vraiment cool! Je vais maintenant installer des LED sur tout le plafond ici. On va faire le contour. Ça va être magnifique! J'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo sont abonnés à ma chaîne YouTube parce qu'honnêtement, je fais des vidéos trop trop cool! J'ai presque fini le contour. Ok! Et maintenant, on va les brancher juste ici. Oh! Ok, allez, je branche l'autre. Oh oui, non, mais c'est trop stylé! C'est vraiment cool! Je vais vous montrer si on ferme la porte. Oh! Eh, non, mais attends, non, mais c'est la meilleure pièce secrète. Ici, je ferme toutes les lumières. Oh là 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 là, ouais, il fait vraiment noir! Eh non, mais c'est trop kiffant! Bon, allez, maintenant, je vais installer mon lit. J'avais aussi ce truc, c'est genre un nuage. Allez, c'est parti. Ça n'avait pas de temps à perdre. Et j'ai vraiment donné essayer la pièce secrète. Ouais, le truc Minecraft. Pourquoi j'ai éteint les lumières? Je vais les rallumer. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Non, mais je vais être trop trop bien. Puis attendez, je vais tester le lit. Ouais, pour voir, on est vraiment bien. Eh, si cette vidéo a 40 000 likes, je vais vivre 7 jours dans cette pièce secrète, d'accord? Mais seulement à 40 000 likes. Allez, maintenant, je vais ouvrir ce truc. Je sais pas c'est quoi, on dirait une décoration. Oh! Eh non, mais en vrai, c'est trop mignon. Oh, mais j'adore. Oh, je pourrais la mettre ici? Ça serait une bonne idée? Oui. Je vais coller ça sur ces chaussures. Juste ici. Maintenant, il faut attendre pour faire une petite pression, tu vois. Ok, allez, maintenant, résultat final. Oh! C'est beau. Eh non, mais c'est magnifique. Eh, genre, pour vrai, je suis vraiment fier. Ah, oh, c'est trop cool. Maintenant, on doit juste espérer que le nuage va tenir le coup. Maintenant, la télévision. Oh, attendez, j'ai brisé une patte. Voilà. Attendez, non, mais les pattes, ça marche pas. Ça, ce truc, ça marche pas. En fait, la télévision, je vais la mettre ici. Et lorsque je vais vouloir l'utiliser, bah, quand la porte va être fermée, je vais la mettre sur la porte. Comme ça. Évidemment qu'une pièce secrète n'est pas une vraie pièce secrète s'il n'y a pas de PS5 à l'intérieur. Alors, j'ai ici la PS5 qu'on a achetée tout à l'heure. Allez, on va la rentrer dans la pièce secrète. Ok. Sérieusement, j'ai l'impression d'acheter une PS5 à chaque vidéo. Oh non, j'ai brisé la boîte. Oups. Bon, attention, voici la PS5. Ouais, on va faire attention. Oups. Ouf. Je vais faire attention, je vous promets. Allez, la PS5. Wouhou. Ouais, ça, je sais pas trop où je vais la mettre par contre. Eh, je sais pas si vous saviez, mais il y a seulement 18% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, je fais des concepts complètement fous. Ok, allez, on va mettre la PS5. Voilà, juste ici, comme ça. Comme ça, quand je vais dormir, je vais avoir la PS5 juste à côté de moi. Ah, Valérie, allez, va-t'en, laisse-moi seule avec la PS5. Bon. Je vous l'avais pas dit, mais j'ai aussi acheté une petite table de billard. Regardez ça. Eh oui, c'est pour la pièce secrète. C'est pour me divertir. Oh oui. C'est trop trop cool. Allez, la petite table de billard. Allez, la boule verte ne veut pas sortir. Eh, va, ok. Regardez ça. Ok, allez, je commence. Oh. D'accord, allez, c'est ton tour. Vas-y. Oh! Ah, t'es nul! Ah! Ok, allez, c'est à mon tour. J'ai ici un petit frigo. On va le mettre juste ici pour l'instant, en fait. Voilà, comme ça, on va mettre du crush à l'intérieur. Ok, super! Il faut pas oublier le plus important, les bonbons et les chips. Ok, hey, j'ai vraiment beaucoup de provisions maintenant.
J'ai finalement terminé de transformer l'intérieur de la pièce secrète. Alors, je vous montre. Attention, et voilà! Pour vrai, cette pièce secrète est complètement épique. Il y a littéralement tout ce que j'ai de besoin pour vivre à l'intérieur. Je pourrais vivre 7 jours dans cette pièce secrète sans aucun problème. Sérieusement, je suis vraiment content du résultat final. Bon allez, c'est maintenant l'heure d'aller la tester en public. Allez, c'est parti! Je devais maintenant trouver un endroit où tester ma pièce secrète en public. On a trouvé l'endroit parfait pour cacher la pièce secrète. Alors maintenant, il reste plus qu'à s'y rendre. Et on va essayer d'être discret. Ici! Ok, je suis maintenant rendu à l'endroit pour cacher ma pièce secrète. Alors maintenant, je vais aller me cacher à l'intérieur. Allez, c'est parti! Oh oui, je suis seulement dans ma pièce secrète. Oh my god, on peut même entendre les voitures. À ce moment, j'avais réalisé mon rêve d'avoir une pièce secrète en public. J'étais littéralement dans un faux buisson avec une PS5 et personne ne se doutait de rien. Je peux entendre les gens marcher tout près de ma pièce secrète. Y'a personne qui sait que je suis ici. J'ai ici une machine à pète. Et je vais l'utiliser pour prinquer les gens qui marchent tout près de mon buisson. Allez, c'est parti. Les gens qui passent proches. C'est ridicule. Oh non, mais c'est la meilleure pièce secrète. En effet, c'était la meilleure pièce secrète. J'avais l'impression de réaliser un rêve d'enfance d'avoir une pièce secrète en public. Oh là 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 là. Wouh! Bref, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Peace out tout le monde.